Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 301ème épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui, on en a fini avec nos Sterling, on va retourner voir ce que donne notre fournaise. Allez, c'est parti! Moins 90. Est-ce que c'est lié à un certain équilibrage? Parce que je vois que là, ça s'est équilibré aux alentours de 500 kPa. Est-ce que c'est parce que lui est plus efficace et du coup il pomperait plus? On a 78, 75, donc c'est l'inverse ici. 78, 83, 83, 90, 90, 98, 98, 100. Ben. Alors, moi aussi, c'est un système totalement fermé, GregPex, sauf que cet apport, il est historiquement pour... il avait été mis historiquement pour remplir ce côté-là, lui maintenir avec une certaine pression. Et là, j'ai un doute sur son fonctionnement. Ah non, je ne consomme pas sur le circuit, mais c'est peut-être le calcul de mon apport qui déconne. C'est peut-être le calcul qui déconne. Il le fait où mon calcul? Mon calcul, il est fait où? Il est fait là-haut? Un housing vide, ok. Je vais le faire là-haut. Comment elle s'appelle? Je suis régulateur pump. Nye, nye. Ça a commencé à être tendu de poser un PC. Voilà.
Pump en D1. Est-ce que Pump en D1, ça serait... Je suis régulateur Pump, ok. J'ai juste rebalancé le code ici. Bon, je vais être en train de refroidir activement. Vu que j'ai lancé des fontes. Depuis quand je prends un accent du sud? Mais quand j'ai envie. Voilà. J'ai le droit. Oui, t'es en train de refroidir, toi. Là-dedans. Combien t'as? T'es quelques mégapascales. Seulement 80 degrés, mais donc tu refroidis. Tu purges. Là, tu purges plus vite. Et tu refroidis. Et ça recommence. Je veux dire que... Toi, si j'arrive à te voir... Non, j'arrive pas. Je peux faire le pipe network et là, je peux pas. Bref, oui.
tourne en boucle. Tout ça parce que je suis en train de faire des lingots de l'autre côté. Plutôt, j'ai fait des lingots. Bon, ça doit toujours être en train de tourner, mais... Voilà, plus sur le Stellite qui crame tout. Juste sur du plomb. Tout. Merde. On avait demandé combien? Un certain nombre. La nuit, ça passe? Non, ça passera pas. Parce que là, je suis à 400 Kelvin. Le plomb, il... faut plus de 400. Pas sûr qu'il passe là. J'avais réglé ce problème avec le plomb. J'avais réglé le problème des lingots qui se faisaient en disant bah tu ventiles tant que. Mais là... on a 126,9. En fait, la température sur Vulcain la nuit est de 400. J'avais pas réglé le problème pour le plomb. On t'en demandait combien? Mais là, il tourne en boucle. En boucle, ça veut dire que peut-être j'ai pas dû avoir le problème parce que une anti-process ça va, mais si Warmer en D1 c'est l'activate
Non, je pense que j'ai réglé le problème. Aaron, ça devrait poser moins de problèmes. T'en as demandé 4 kilos. Je pense que je vais aller couper mon appel. Il ne m'en passe pas un autre après le faire. Du coup, ça sera peut-être un tout petit peu plus lent à déclencher mon histoire, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a encore des trucs dedans! Ah! Il y a encore du plomb, ouais. Là, c'est bon, il est en train de se faire traiter. Forcément, là on est sur une plage de température beaucoup plus réduite sur laquelle ça peut marcher. Du coup, il était bloqué en attente de refroidissement. Je pense.
Allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oui, le plomb, c'est pas un truc dont j'ai besoin d'habitude, donc c'est pas hyper fréquent qu'il passe là. Ah, si, il passe là pour se faire dégazer, forcément, de temps en temps. Ah, voilà, quelque chose de plus naturel. Je devais avoir du charbon en retard. Ok, là il y a du fer. Et toi, pourquoi tu... Pourquoi tu galères alors que toi, tu galères pas? Bizarre, toi. Bizarre. La clim de l'estima est passée de 650 degrés à 495. T'arrives à refroidir un gaz qui est à 650 degrés à l'origine. T'arrives à le refroidir à 495? Très bizarre celle-là. C'est presque comme si... Comme si ça s'était arrêté. Ah. J'avais pas vu ça. Super. Input, input. Input, input et output 2. C'est beau ça. Les fournaises ont deux inputs. Bizarre. Il devait y avoir un truc dans les autres qui a brûlé, c'est pas possible. Elles sont montées autant en pression. C'est pas elles.
Pourquoi il y a 600 grammes de plomb qui est passé? Parce que du coup il est passé, j'ai pas fait gaffe et j'aurais dû le bouger avant que le fer arrive. Et maintenant on va avoir des réagents pourris. Français, il y a bien une entrée et une sortie sur la fournaise. Alors ils ont laissé un bug en anglais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!